Alors, François Ruffier. On me dit beaucoup de bien de ce garçon, Michel. Oui, particulièrement au cheval d'Arçon, hein, puisqu'il était déjà quatrième, s'était inscrit au championnat de France l'an passé. Et puis il est d'Orléans, ce qui signifie que Michel Bouchonnet, l'ancien international, le couvre. On le comprend. Voilà, il a été très bien préparé à Orléans et maintenant il poursuit sa carrière au Pôle France d'Antibes. Hop, oh là, on a parlé trop vite. On a parlé trop vite. Ben, oui, ben écoutez, hein, c'est des choses qui arrivent. Voilà, mauvaise prise d'appui, le poignet a tourné et c'est la chute inévitable. Il est allé trop vite aussi, peut-être emballé par sa fougue. Alors on voit deux agrès particulièrement difficiles, la poutre et le cheval d'Arçon. Oui, regardez d'en haut. L'équilibre. Difficile à maîtriser que les autres. Toujours redouter des gymnastes. Allez, c'est reparti, on relance le cercle. Transport vers l'arrière, on appelle le Shivado. Il a une morphologie de chinois. Un peu, oui. Hein? Il a des origines. Aïe, 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 il va falloir travailler un petit peu, hein. François Ruffier. Il est déçu. Oui, oui, il est déçu. C'est normal. Bon, eh bien, on retrouvera sur un autre appareil. François Ruffier, donc, qui n'est pas encore au niveau des Poujades et des Casimirs. Allez, aux Arçons, c'est très difficile d'arriver à leur niveau. Eh bien, il faudra en trouver avant 1900.